Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, je me permets de faire une petite vidéo vite fait parce que je viens de recevoir un message. Ça m'est arrivé comme ça. Un message très important. Tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui sont dans la spiritualité, la vraie spiritualité, pas celle qu'on veut nous faire endormir ou qu'on veut nous faire croire ou que les uns sont plus forts que les autres ou quoi ou qu'est-ce. Non, la spiritualité, celle où on est tous pareils, tous égaux, tous à se donner la main pour s'aider dans l'amour, et ben sur votre page Facebook, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui changent leur nom et qui mettent à côté de leur nom, être souverain ou être vivant, ou être vivant souverain, même si vous le mettez en nom, si vous le mettez en dessous, mais il faut absolument le mettre. Plus il y en aura des êtres souverains qui vont se reconnaître, et plus et moins Facebook pourra faire quoi que ce soit. Parce que si on se reconnaît soi-même, si on se reconnaît soi-même comme étant des êtres souverains, personne ne pourra venir à l'encontre de ça. Et si en plus après vous faites une déclaration d'être souverain, personne ne pourra venir à l'encontre de ça. Voilà le message que j'ai reçu. Et voilà ce qu'il faut, ce qui à mon sens peut se faire, puisque moi je viens de le faire à l'instant. Il faut absolument le faire. Ceux qui ont la foi, ceux qui ont la croyance, ceux qui espèrent que l'amour est au fond de nous, qui croient en un être supérieur divin, faites-le parce que c'est très important. C'est très important parce qu'avec le temps actuel, on va de plus en plus se faire bloquer sur Facebook parce qu'on va dire des choses qui ne vont pas leur plaire. On va dire des choses qui sont à l'encontre de ce que eux ils veulent. Donc faites-le, marquez-le sur votre page Facebook, marquez-le, être souverain. Marquez-le où vous voulez, mais il faut que ça se voit. Vous êtes des êtres souverains. Alors ceux qui en sont sûrs, ceux qui en sont persuadés, ceux qui le vivent, s'il vous plaît, faites-le. Parce que, bonjour Agnès, c'est très rapide, hein, c'est juste pour vous dire, coucou Chantal, c'est juste pour vous dire, faites-le parce que c'est très important. On ne peut pas, du fait qu'on est dans une guerre spirituelle, on est dans une guerre spirituelle, d'accord? Quand on se dit être souverain, ça veut dire qu'on se reconnaît être la loi de Dieu. Le fils, la fille de Dieu, la source créatrice de toute vie, et que c'est lui qui décide, c'est lui qui règne, et c'est lui qui prendra les décisions qui vont à notre encontre. C'est lui qui prendra les décisions, pardon, c'est pas lui qui prendra les décisions qui vont à notre encontre, c'est lui qui jugera des décisions qui sont à notre encontre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, merci beaucoup Agnès. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Je viens de recevoir le message. Je viens de recevoir le message. C'est important. Ça filtre des fois. J'étais en état esprit vide et tout. Et paf, je l'ai eu. J'ai eu ce message. Donc faites-le. Faites-le. Parce que ça, c'est pas une mauvaise entité qui m'a dit ça. Être souverain, c'est vraiment très puissant et très fort comme impact sur la vie de tous les jours et surtout sur la vie de Facebook. On ne peut plus, on ne doit plus se laisser faire. On doit être vraiment ce que l'on dit, c'est-à-dire des êtres souverains. Si on veut sortir de cette matrice, si on veut sortir de ce système, il faut être des êtres souverains. Et contre les êtres souverains, ils ne peuvent rien. Parce que là rentre. Ah, il y a du vent aujourd'hui, je suis désolée, mais bon. Là rentre le libre arbitre. Nous avons un libre arbitre. Et si nous avons décidé de devenir des êtres souverains, ils ne pourront rien contre nous. Rien. Cela nous protège parce que ça nous lie directement à notre source divine, notre source créatrice. Donc, si vous vous reconnaissez
dans cela, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, si vous vous reconnaissez comme étant un être souverain, allez-y, faites-le, c'est très important. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Voilà, si vous ne voulez pas avoir de problème, faites-le, c'est vraiment très important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je remercie la source de m'avoir envoyé ce message. Et merci, 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 mille merci à tous ceux qui le feront. Et qui, merci Agnès. Merci, merci beaucoup à toi aussi. Merci, merci. Faites-le et surtout partagez cette vidéo, parce que même si elle n'est pas grande, même si c'est juste trois petits mots, c'est vraiment très important, très important, très important. Voilà, je vous remercie. Peut-être que j'en ferai une autre plus tard ou pas, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est le message qui m'est venu. Donc en ce moment, je reçois des messages comme ça, donc c'est très important. Faites-le, je vous le demande, je ne vous en conjure pas, parce que vous avez votre libre arbitre, évidemment, et je ne vous impose rien. Je ne vous impose rien, juste, je vous demande d'en tenir compte et de voir, positionnez-vous, c'est le moment. D'accord ? Je vous aime de tout mon cœur et à très bientôt. Bye.